La majorité est combinée sous une forme unique. La part unique est associée essentiellement à la péritine et l'hémocybéine. Dans les conditions physiologiques, 10% est sous forme libre. Très toxique. Son maintien constant est assuré grâce à l'excidine. Donc, je me réponds, on a proposition exacte concernant l'absorption du verre. Donc, 1 à 2 mg est absorbé quotidiennement. Donc, le A est juste. 50% de la quantité du verre ingéré est absorbé au niveau de l'iléon. Il y a une préférence pour le fer et une hypocrite d'absorption du fer. Le fer sous forme FE2+ est transporté à travers la membrane par un transporteur nommé TRT1. Le fer éminif est absorbé principalement au niveau du col vasolatéral de l'intestin. Donc, on a des réponses en A, B, A, C. D'accord. A, C, D. Au cours de l'absorption du fer, le fer non unique est réduit en FE2+ par le décitochrome démembrané. C'est-à-dire, le fer est exploité vers le plasma par l'intermédiaire d'une réductase membranaire. Le fer traverse la membrane apicale de l'entérocyte grâce à la ferroprotine. L'herbe contenant le fer provenant de l'alimentation est captée par la HCPA membranaire. Le fer qui sort de l'entérocyte est pris en charge par l'actoglobine. Donc, je réponds, c'est le marion. Avec un A, c'est le B, c'est le D, c'est le A, le D. D'accord. Deux réponses.
A ou B? Quels sont les propositions exactes concernant le risque de recyclage du fer contenu dans les globules rouges? 25 mg de fer provenant des globules rouges sont recyclés quotidiennement. Le mécanisme de recyclage est assuré principalement par les hépatocytes. La ferroportine joue un rôle important dans ce processus de recyclage. Le fer qui sort de la cellule au cours de ce recyclage est réduit par une réductase membranaire. Ce processus peut être entravé s'il y a un déficit en celluloplasmique. Donc, on a A, C ou E. Concernant le transport plasmatique du fer, choisir la bonne réponse. Assuré principalement par la ferritine. Et transporté sous forme ferrique. La protéine qui la transporte et la transporte est capable de diminuer 4 atomes de fer. Donc, BCA. Ce transport peut être assuré par une faible proportion par l'aptoglobine et l'hémopexine. C'est une protéine qui peut cacher du fer. La protéine, c'est un caractère qui m'a transporté. Mais il n'y a pas d'affinité. L'affinité est faible pour le fer. On a quand même transféré une méthanogène. Mais je n'ai pas de place de l'hémopexine ferritine. La ferritine, on transporte la ferritine qui peut le faire. Est assuré par l'hémoglobine plasmatique. C'est pas un transport, c'est plutôt c'est une incorporation, incorporer une structure. Donc, si on a des réponses en A, la RLB, le B. Comme le placement humain, le fer est lié à un âge. L'orosomie commune, non. Ferritine plasmatique, c'est transféré. L'albumine, non. La poplotine, c'est vrai. Donc, on a le B, le C, le B. Parmi les protéines suivantes, lesquels jouent un rôle déterminant dans la régulation de l'homéostasie du fer. L'élimination de la vitamine B12 sur
excédentaire sur toute la voie urinaire, digestive, sudorale, biliaire, salivaire. Donc, entre comme le digestif, sudorale ou salivaire. C'est quoi? 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 C'est quoi?